عسلامة مدام نهيسة كراني، مرحبا بيك سعنا. كنت نجم تعرفنا بروحك؟ Je me présente, Mohé Sakrani, ingénieure diplômée de l'INSET. J'ai aussi le diplôme de master dans la spécialité informatique, industrie et automatique. J'ai 12 ans d'expérience. Pendant mon expérience, j'avais 8 ans d'expérience principalement dans l'expertise technique, précisément dans le développement informatique pour les systèmes embarqués. Pour la partie développement, j'ai aussi travaillé sur l'automobile, sur l'avionique et aussi sur les systèmes de tableau de bord. Ensuite, après, j'ai choisi de changer ma carrière vers le management. Tout en gardant la partie technique. Donc aujourd'hui, je suis IT Project Manager. Aujourd'hui, j'opère comme étant chef de projet CRM, Microsoft Dynamics, donc chez HLI. Pourquoi avez-vous choisi la carrière d'ingénieur? Alors, j'ai choisi la carrière d'ingénieur depuis mes premières études scolaires. J'ai suivi le cursus scientifique par mon bac en mathématiques mention bien. Ensuite, j'ai intégré donc l'Institut national de sciences appliquées et technologies, l'INSAT, pour adhérer à la formation MPI qui est maths, physique, informatique aussi. Donc, j'avais l'option de continuer donc mes connaissances scientifiques et d'où le choix donc ensuite de continuer ma master pour approfondir mes connaissances. Et voilà. Alors, quel est le plus grand challenge que vous avez rencontré tout au long de votre carrière professionnelle? Pendant ma carrière professionnelle, qui est 12 ans d'expérience, donc j'ai eu beaucoup de grands challenges. Le premier grand challenge que j'avais, c'était de m'orienter. Sachant que ma spécialité était informatique, industrie et automatique, donc de m'orienter de l'industrie vers le développement pur et dur, donc, et s'éloigner un peu du monde industrie, dont j'ai continué dans ce volet 8 ans, donc j'avais 8 ans d'expérience sur le développement système embarqué. Ça, c'était mon premier challenge. Mon deuxième challenge était de changer de carrière. Expert technique en système embarqué et de m'orienter vers le management. Donc c'est un nouveau monde avec de nouveaux expertises que j'avais été face à évoluer et ça c'était mon deuxième donc challenge. Et mon troisième challenge qui est l'actuel, qui est de travailler sur un nouveau produit tout en s'éloignant du monde embarqué et des systèmes embarqués, et de travailler sur un produit qui est le CRM. Donc c'est pour moi vraiment un nouveau challenge de travailler sur un nouveau produit, d'où pour augmenter donc, mes capacités de management et de gestion de projet. Selon vous, quels sont les facteurs de réussite pour un ingénieur? Les facteurs de réussite d'un ingénieur? Alors pour moi, je pense que c'est légitime d'avoir l'esprit d'analyse et toujours aller au-delà de l'information et d'analyser, d'avoir donc plus d'informations que possible, l'esprit de recherche et il faut aimer ce qu'on fait. Quelle femme vous inspire le plus? Alors pour la femme qui m'inspire le plus, je vais rester dans le contexte informatique dont je suis, et Malissa Mayer, c'est un personnage américain, c'est une femme ingénieure et qui a présidé en termes de CEO chez Google pendant 13 ans, plein de succès, et aussi donc après elle a travaillé aussi comme présidente chez Groupe Yahoo.